me voler du pont, mais sluta upp med det där. Bort med tassarna, jävla ungdomarna. Jag ska ta mig en lyssling. En puss och kram. Bonsoir. Coupé au montage, une fatalité ou un destin? En effet, lorsque vous regardez un film, il y a des scènes qui n'y sont pas et qui pourtant ont été tournées. C'est-à-dire des acteurs ont été convoqués, de la nourriture a été servie sous forme de peau pour les enfants, ou ensuite de viande en sauce, suivie très souvent d'un fromage et d'un dessert. Aujourd'hui, nous avons réuni autour des deux réalisateurs de La Beuse, qui est le féminin du bœuf, et ça on ne le sait pas. Thomas et François, vous avez tenu à apparaître sous vos vrais visages, mais sous la forme de prénoms, puisque vous ne voulez pas donner vos noms de famille, ni vos adresses, ni vos émoluments. Combien avez-vous touché pour ce film? Face à eux, des acteurs de La Beuse. Alors certains sont des acteurs de La Beuse finale, c'est-à-dire La Beuse que vous avez vue, et d'autres sont des acteurs de La Beuse scénario. C'est-à-dire qu'ils ont lu le scénario, ils ont accepté un rôle, et finalement dans le film ils n'y sont plus. Ont-ils été à chier, ce qui veut dire mauvais en langage jeune, ou simplement ont-ils été coupés pour de basses raisons d'argent? La première personne, bonjour, c'est Julia Vignali. Julia, vous êtes la fille Vignali, donc une des grosses fortunes du cinéma. Julia, je vous vois, je vous trouve superbe, et bizarrement, lorsque je regarde le film, même au ralenti, je ne vous y vois pas. Effectivement, j'ai eu l'impression de ne pas exister sur ce tournage. Alors sur le tournage, peut-être, mais dans le film, non. T'écoutes James Brown? Pardon? T'écoutes James Brown? Ouais. C'est mon père. Mais oui, bien sûr. Non, je déconne pas, c'est vraiment mon père. Regarde. Je m'appelle Alphonse Brown. James, mon père, a largué ma mère quand elle était enceinte. Et juste avant de mourir, elle m'a dit « Ton père est une grosse vedette de la chanson américaine. » Ouais, mais comment tu sais que c'est James Brown? Mais déjà, je m'appelle Brown. En plus, regarde, je suis né le 2 décembre 71. J'ai fait des recherches. Le concert de James Brown à l'Olympia a eu lieu le 2 mars 71, soit exactement 9 mois avant ma naissance. Ça correspond. Attends, c'est un peu léger comme truc. En plus, t'es même pas noir. Comment ça, je suis pas noir? Et ça? Rien. Hein? Tout mon père est concentré là. C'est du 100% black américain, ça. Mais c'est pas tout. Regarde là. Quoi? Approche, tu verras. Il y aurait une petite réponse. Est-ce qu'on peut dire que Julia joue mal? Est-ce qu'il y a des raisons plus compliquées? Thomas? François? Non, Julia joue très bien. En fait, on s'est résolu à couper sa scène parce que le début du film, en fait, mettait un peu trop de temps à se mettre en place. Et donc, après mûre réflexion, on a décidé d'enlever un petit alors, bout du film. Alors, est-ce que vous n'auriez pas pu voir ça dès le scénario, bande de cons? Totalement. Je voudrais... Il y a un petit silence gênant. Faut pas chercher à le combler, là. Moi, je trouve ça fort, en tout cas, que vous soyez là. Il y a de la rancœur, mais elle est assumée, elle est vécue. Oui, totalement. Bonjour petite fille. Bonjour. C'est ta chatte? Oui. Elle est mignonne. Je peux la caresser? Oui. Et hop là, dis tout ça. Lola, bonjour. Bonjour. Lola, tu n'es pas dans le film? Non. Pourquoi? Parce que ma scène, elle a été coupée. Mais c'est pas très gentil, si. C'est pas grave? Bah, j'étais un peu déçue, mais bon. Qu'est-ce qui se passait dans cette scène? Bah, en fait, c'est qu'on me volait mon chat. Déjà, c'est pas très gentil. Et qui te le volait? C'était Vincent. Bravo, Vincent. Aïe! 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 Bonsoir, Francia Segui. Francia, vous êtes apparentée, on ne dira pas à quel titre, à l'un des réalisateurs. Moi, je ne suis pas contente du tout. Non. Ah non, j'ai été trahie par mes deux petits-fils. Voilà, il y a deux petits-fils à vous, oui, dans le film, Francia. Alors c'est quand même drôle d'avoir des petits-fils dans un film dont l'un est réalisateur, oui, et l'autre a des premiers, oui, rôles. Donc je rappelle, François et Vincent, trahi, je crois qu'on va parler. Être trahi au point qu'on m'a coupé complètement ma scène. Alors Francia, au départ, tu me disais, tu pensais avoir le rôle principal du film. Voilà. Ce qui est normal de donner à sa grand-mère, oui, le rôle principal. Je voulais faire le rôle de Zoé. Merci. Ben dis donc, c'est pas gagné. De quoi je me mêle, Yvette? T'as eu ta tronche, hein? Quoi, ma tronche? C'est Polo. Il s'est remis à boire. Ben voilà, alors ferme ta gueule. Ma place est bon de parler, hein? J'hallucine. Et moi, naturellement, j'attendais. J'ai attendu. Et puis, total, on m'a dit, ah non, ne compte pas là-dessus. Tu feras un petit rôle. J'ai fait le petit rôle.
Et on a coupé ma scène. Vous avez été payé, Francia, quand même, ou pas? Oui. Convenablement? Si on peut dire, oui. Vous normalement, normalement. Normalement. C'était écœurant. Vous êtes un peu bouleversé, je vois. Non, parce que c'est moi qui ai insisté pour qu'on coupe cette scène. On y viendra tout de suite après. On va y venir tout de suite après ça. Bonjour. Bonjour, Scott. T'as bien dormi? Ouais. Tu descends? Tu veux combien de croissants? Un seul. Je me sens un peu barbouillé, là. Qu'est-ce que tu fous, là-haut? Je sais pas. Ça fait combien de temps que t'es collé au plafond, comme ça? Depuis cette nuit. Comment t'es monté? Tout seul. Comme ça. Comme un ballon. Je crois que j'ai mangé un peu trop de pizza. Mais sinon, ça va? Ah ouais, impeccable. Je gère. Bon. Pour que les acteurs coupés au montage puissent peut-être extérioriser toutes ces frustrations, est-ce que... En suivant un petit peu l'exemple japonais, est-ce qu'on ne pourrait pas procéder à une forme de défoulement, de violence? Par exemple, est-ce que Lola ne pourrait pas, je ne sais pas, taper un des deux réalisateurs? Non. Je vous dis, Michael, j'ai de l'admiration pour vous, de l'amitié. On pourrait le faire, bien sûr. Seulement, c'est mon émission. Je propose. Je vous trouve un tout petit peu. Oui, je suis Michael Young de la Beuse et tout ça. Vous êtes arrivé, il faut aussi voir un petit peu le contexte. On a dit, c'est Michael Young de la Beuse avec des cartes de visite. Ça fait plusieurs fois que vous dites Young quand même. Vous mettez un G à la fin. Oui. Je sais pas, c'était ma fantaisie, c'est ma folie, c'est ma liberté. Et je sais que vous le tolérez très bien, parce que vous êtes ouvert sur le monde et sur les erreurs des autres. Bon boulot. Petit, tu veux te fumer les doigts? Hein? S'il te plaît. C'est des chagrins, ta beuf, je sais. Il t'en reste? Si tu payes le prix, y'a pas de soucis. Parce que moi et mes potes, on voudrait t'en prendre un gros paquet. Combien? Pour tout ça. Antoine Poulet, bonjour. Les gens vous apprécient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens disent, oui, Antoine Poulet, très souvent. Tiens, encore un film sans Antoine Poulet. Tiens. alors, comment? Antoine, qu'est-ce qui était prévu pour vous dans ce film? Bon, on m'avait promis beaucoup d'argent. On m'avait promis une grande scène. Qu'est-ce que c'était, cette scène? C'était une scène... J'amenais des piécettes afin d'acheter... Ouais. Michael le sait très bien. C'est alléchant comme scène, oui, non. Ça nous manque, racontez-la mieux. Ah oui, elle est alléchante, mais quand c'est Antoine qui la joue, excusez-moi, mais c'est... Ah voilà, on va parler aussi de... Il y a un petit problème, parfois les comédiens jouent mal, et ça les gens ne se rendent pas compte. Alors il n'y a pas que les comédiens qui sont à l'image qui jouent mal, il y a aussi les comédiens coupés au montage. Mais je l'ai bien compris, enfin, du moment où j'étais coupé, enfin, François et Thomas m'ont expliqué... Vous avez été conscient en jouant que vous jouiez comme une patate ou pas? C'est difficile, hein, c'est difficile à accepter. Mais est-ce que vous en rendez compte? Vous dites, tiens, je joue faux. Mais le cadeau, c'était peut-être déjà de participer au film. Ah oui, non, c'est vrai. Tu réponds, tu vis. Tu réponds pas, vous mourrez tous les deux. Tu as compris? Alors, qui t'a vendu l'herbe de papa? Ils sont deux. Leur nom? Je sais pas, je sais juste qu'ils sont pas d'ici, ils roulent au corbillard, je vous jure. Tu es beau. Ton visage prend magnifiquement la lumière, tu sais. Ne bouge surtout pas. Je vais t'immortaliser. Pourquoi l'avez-vous... vous l'avez laissé s'approcher de vous, ce Adolfo Mayer, si en plus il était doté d'une hache? C'est... Mais on ne fait pas tout ce que dit les réalisateurs. S'il dit, est-ce ton franc, mon grand, il y a une surprise, vous ne le faites pas. Nous, on est rémunéré pour une prestation, on doit faire... Mais c'est toute l'histoire du Troisième Reich, c'est pas moi, c'est l'autre, le chef au-dessus. Mais quand on est sur un plateau, c'est pas la même chose, on réagit pas pareil. Hein. Vas-y, continue, je t'écoute. Maka Sidi B et Youssef Diawara, vous êtes chez vous. Oui. Tout à coup, un coup de fil, c'est votre agent qui vous appelle. Oui.
chez vous séparément, hein, c'est deux coups de fil séparés, qui vous dit « on a besoin de vous pour un film ». Et ensuite, tout est allé très vite. Très très vite. Hyper vite. Alors ensuite, il vous propose ce rôle, il vous dit « il y a au moins un mois de tournage, vous êtes un des rôles quasiment principaux », et au final, petite déception quand même. Grosse déception. Ouais. Parce qu'en fait, on avait une scène de stratégie. Oui. Qui allait nous permettre de capturer ces deux mecs-là. Dans une chambre d'hôtel. Voilà. Cette scène qui montrait bien l'intelligence de nos deux personnages. Exactement. C'est vrai qu'au final, cette intelligence qui était proposée au scénario apparaît moins. Moins. Donc du coup, voilà. Les rôles. On peut la voir. Vous la savez encore, cette scène, ou pas? Un petit peu. Un petit peu. Caméra 8. On n'a rien vendu. Personne veut de notre buzz. Ils veulent que de la mongolienne. De la mongolienne. C'est la nouvelle buzz à la mode dans Paris. Et devine qui la vend ? Deux mecs du Havre. Alphonse et Scotch. Bon, finis la rigolade, tout le monde assis. Brainstorming. Sujet du jour. Comment retrouver deux hommes dans la mégalopole ? La quoi ? À Paris. À Paris, imbécile. Moi, j'ai une idée. Va t'acheter plutôt des petites culottes. Je vous écoute. On pose une micro-puce électronique infrarouge dans la semelle de leurs chaussures et on les suit à la trace, avec un GPS, comme dans une mi-d'état. Dave. Ah ouais. On passe une annonce dans l'IB, du genre « Je m'appelle Dina, tu t'appelles Alphonse, je t'ai vu dans une boîte du Havre et j'aimerais te faire une fellation. » Zoé, quelle est la scène qui a été coupée au montage dans votre prestation remarquable dans La Beuh? Je rappelle en plus que vous êtes assise sur le titre, ce qui est très rare dans l'histoire du cinéma. Pour ceux qui ont vu, moi j'ai pas vu le film, mais j'ai vu l'affiche. Je suis allé voir l'affiche du film avec des amis et j'ai passé un très bon moment. Et sur La Beuh, vous êtes assise sur La Beuh. Et je suis, oui. Je fais office de logo. Sympathique. Oui. C'est une proposition de jeu. Vous avez vu le titre, tiens, non, je peux m'asseoir dessus. Non, j'ai même pas eu à proposer. Vous savez, on me l'a fait systématiquement, quoi. Je veux dire. C'est dans tous vos contrats. Même pas. Non, ça a été choisi sans moi. Vous vous rendez compte? Quelle est la scène qui a été coupée au montage, Zoé? Une scène, bien entendu, de... où mon personnage pouvait prouver un peu son intelligence et... Ah, c'est... Beaucoup de scènes intelligentes ont été coupées au montage. Ah, mais arrêtez, c'est trop intelligent. Mais ce film est vraiment con. Ouais. On va voir tout de suite un extrait ou un film d'animation tourné à... ou un documentaire sur Venise. Tu te sens bien, là? On bosse, tu vois pas que tu gênes? J'imagine que vous avez trouvé plein d'idées géniales, non? Pour retrouver vos amis du Havre. Pas tout compris. Je sais que j'ai pas de cerveau, hein, mais ce serait quand même pas idiot d'aller interroger un fumeur, non? Enfin, mais je dis ça, je dis rien, hein. Comment ça, un fumeur? Vous voyez le mec là-bas? Tout à l'heure, il m'a dit qu'il avait de la mongolienne. Bah, je vous laisse, hein. Je vais aller mâcher les slips. Vincent et Mickaël, on a fait un petit peu le tour des aigreurs, des amertumes, des déceptions, des brouilles. Et puis aujourd'hui, vous êtes un petit peu les deux grands responsables, puisqu'au final, alors que dans le film, je rappelle, vous n'avez tourné que deux scènes, au final, il y en a une trentaine avec vous. Donc c'est bien aux dépens d'autres acteurs qui sont ici. Nous aussi, on a été coupés au montage, et c'est pas pour ça qu'on la ramène et qu'on fait chier tout le monde. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez beaucoup aimée au tournage et qui n'est pas dans le film? Il y a cette scène où je suis accroché au plafond. Et calmez-vous, là, vous êtes surnerveux. Oui. Calmez-vous. Oui. Et soyez pas agressif, Vincent, là, vous êtes agressif, là. Non, je. Je crois qu'il vous a laissé parler largement depuis tout à l'heure. J'ai encore rien dit. Allez-y, pardon. Et C'est mal. Et la. Comment le harnais, de pour pouvoir me maintenir accroché au plafond, m'a terriblement fait mal. Aux cuisses, aux... Qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé... L'herbe. Den. Den. Nazi. L'herbe de nazi.
Donne. Selon le laboratoire français des drogues et toxicomanies, c'est sous le nom de mongolienne que deux revendeurs, originaires du Havre, feraient circuler dans la capitale l'herbe des nazis. Eh mais il parle de nous là ! Eh mais il parle de nous là ! Bien sûr qu'il parle de nous ! Alors ce soir on encaisse les dernières commandes et on se casse ! Eh, on va où là ? Au stage chez mon père. Mais il te connaît pas, il sait même pas que t'existes. Eh ben justement. C'est le moment, Scotch. Je me sens prêt. Non mais attends, je crois que t'étais amoureux, moi. Si on s'en va, tu vas jamais la revoir. Mais au contraire. Dans quelques mois, on aura fait deux ou trois albums. Ça cartonnera, je lui envoie un billet d'avion et elle débarque direct. Mais t'as même pas son adresse. Bon, écoute, Scotch, tu m'emmerdes, là. Hein, tu veux y aller, toi, à la maison d'arrêt du Havre? Bah non. Bon, voilà. Alors on se casse, loin. Et fin de la conversation. Vous aussi, il manque des scènes. Ouais, il manque des scènes. Mais oui. Oh non. On nous le demande jamais assez. Mais merde, ils sont là, ils viennent faire leur danseuse, leur pleureuse, parce qu'ils ont leur scène coupée en montage. Voilà. Est-ce que nous, on a ouvert notre gueule? Moi, je te cadre là. C'est bon, là, je le tiens. Est-ce que nous, on a ouvert notre gueule depuis le début de l'émission? Qui a eu le plus de scènes coupées au montage, ici? Très bon, la peur, filme ça, Coco. Là, t'as la peur, là, t'as tous les sentiments, là. C'est magique, ce qui se passe. Alors, merde! Oui, c'est bon, quand même. Gary! Michael. Pourquoi moi? Parlons musique, parlons chant. Parlons danse. Oui, vous dansez dans ce film, vous dansiez, puis tout à coup, vous dansez peu au final. Chantez maintenant. Oui, j'ai pris pendant deux mois des cours de danse à la Vladimir Strasse Academy à Berlin. Magnifique, oh là là. Qui a formé Günther Himmel, qui a formé Gerta Schoensfar. Et tout ça pour apprendre à danser le mambo, pour que finalement on en garde que dans le film, que je sais pas quoi, 10 secondes. Deux mois de travail pour 10 secondes. Alors c'est peut-être ça aussi toute la force du cinéma. C'est vrai que c'est ça la magie du cinéma. Est-ce qu'on pourrait résumer ce moment de merde qu'on vient de passer ensemble? Faire une synthèse de tout ça. Michael, une synthèse, peut-être. Brièvement, vous l'avez assez bien résumé déjà tout à l'heure. Dès le début, en fait, tout ce qui a suivi le début est de trop. Une fois que vous aviez dit que quand on a le bras long, on va loin dans le cinéma, tout était dit, tout était résumé. Ça veut dire qu'un bon acteur, c'est d'abord un beau bras. Un bras long. Mais dans ces cas-là, il sort du cadre s'il est trop long. Pensez-y un petit peu avant de dire des conneries, quand même. Pensez-y. Messieurs, pardon, excusez-moi, parce que je cherche un rôle en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, quoi? De quoi, qu'est quoi? Je pense que au début, le débat était assez... Merci beaucoup, en tout cas. À aucun moment on s'est ennuyé. Et ce que vous verrez n'aura certainement pas été coupé au montage, puisque la qualité était là, et en tout cas la quantité. Et si vous trouvez que c'est mauvais, pensez que c'est long, et donc ça rattrape la nullité du propos. Pas compris la phrase. Non, ne vous inquiétez pas, moi je suis là, je cachetonne. On est payé en liquide tout de suite après, comment ça se passe?